ça. Puis j'avais peur, le gars, il s'est retourné, il m'a fait Uramawashi avec le talon, comme ça, ici. Tu vois, la dent, elle a sauté, quoi. Et je suis tombé à quatre pattes, là, avec le morceau de dent, et M. Suzuki m'a pris, il m'a dit « debout, combat ». Très influencé par ce que j'ai vu. Parce que dans le karaté, il y a un peu une espèce de forme un peu rigide. Et dans l'Yose Kambudo, il y a une forme un peu plus ronde, souple, comme ça. Il faut essayer d'utiliser les deux, on a besoin des deux. Quand on manie un bâton long, il faut bien travailler les leviers et clac, bloquer. Et les armes, par exemple, le tonfa, ça apprend à faire des mouvements arrêtés nets. Et c'était quoi mon problème ce jour-là? C'est de regarder les gars, de me dire, eux, ils font de la boxe, je ne sais pas en faire. Si je me mets sur leur terrain trop près, je vais me faire avoir. Si je me mets un peu plus loin, peut-être que je peux les gêner. Et dès qu'ils bougent, rentrer. Donc c'était vraiment que du karaté, quoi. Et puis du coup, quand on est entraînant, en mettant de la joie de vivre, de la bonne humeur, les gens, ils ont envie d'aller vers la difficulté. Parce qu'ils sont soudés.